te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, venu nous sauver. People of priests, people of kings, assembly of saints, people of God, sing your Lord. Nous te chantons, splendeur de la lumière éternelle, nous te annonçant le jour. Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres. Nous te louons, flambeau de la nouvelle Jérusalem. People of priests, people of kings, assembly of saints, people of God, sing your Lord. Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes, nous te louons. Et fils de David, nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre roi, doux et humble de cœur. People of priests, people of kings, assembly of saints, people of God, singing your Lord. People of priests, people of kings, assembly of saints, Excellences, honorables personnalités, le vicariat apostolique, les pères capucins du Proche-Orient au Liban, et la Ligue latine du Liban sont heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette cathédrale de Saint-Louis des Capucins, qui, depuis sa construction en 1868, avait accueilli tant de chefs d'État et surtout de consuls et d'ambassadeurs de pays catholiques et autres. Les Capucins, venus au Liban en 1626, ont été les premiers à débarquer dans ce pays comme missionnaires. L'histoire atteste que par leur douceur, leur simplicité et leur compétence, ils ont établi une amitié entre l'Orient et l'Occident et laissé un impact d'action sociale et de sainteté qui a été couronné par l'élévation sur les autels
du premier capucin libanais, le bienheureux Père Jacques de Razir, qui avait été responsable de cette cathédrale pendant la Première Guerre mondiale, les plus tragiques années de l'histoire du Liban. Le nonce apostolique, Son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri, le vicaire apostolique, Son Excellence Monseigneur César Essayon, et nous-mêmes sommes fiers aujourd'hui de renouveler avec vous cette messe qu'on appelait consulaire dans notre cathédrale Saint-Louis des Capucins. Nous espérons, par votre présence et la célébration du nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, obtenir de Dieu une abondance de grâce sur le Liban et sur vos pays respectifs, et un surcroît de paix sur le monde. Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi aussi, Excellence, cher frère, Monseigneur César, Révérend Père Tanios, custode de Père Capucin au Moyen-Orient, Révérend Père, Révérend Sœur, Excellence, les ambassadeurs, chers collègues et membres du corps diplomatique et consulaire, honorables autorités civiles, militaires et religieuses, distingués invités, de partager avec vous ma joie. Et dans ce moment, ce soir, pour cette célébration, et c'est vraiment avec joie que j'ai accepté la gentille invitation de Monseigneur Seyan et de M. Rafik Bazarji au nom de la Ligue latine du Liban à présider cette sainte messe à l'intention des ambassadeurs et consuls, des ambassadeurs accrédités au Liban, des consuls présents au Liban. On continue ainsi une belle et bien établie tradition. L'Eucharistie est toujours, dans le sens plus profond, une action de grâce à Dieu pour les dons de son amour, en prière pour demander le soutien et les bénédictions nécessaires pour continuer avec élan notre aventure dans le monde. Reprenons donc notre marche, fidèle à notre mission d'être des bâtisseurs de ponts. Nous, les ambassadeurs, nous sommes appelés à bâtir de ponts. Et entre peuple et gouvernement, entre cultures et traditions différentes, en faveur du développement humain intégral, d'une civilisation du partage plus juste, équitable et fraternel. Notre célébration ce soir coïncide avec la fête des mères ici au Liban. Demandons l'abondance des bénédictions pour tous les mamans et une prière spéciale pour celles qui ont quitté cette terre et reposent dans le sein du Père. Je voudrais offrir cette messe à vos intentions les plus chères. Alors préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la pécheur Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie. Kyrie.
Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant de ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur. Qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. »
Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Pain de Dieu pour notre manche, gloire et louange à toi. Pain du peuple de la Pâque, gloire et louange à toi. Pain du Dieu amis, quand nous regardons les différentes traditions religieuses partout dans le monde, nous pouvons noter que dans leur richesse spirituelle, presque toutes invitent à vivre l'expérience de jeûne. Et c'est aussi vrai que l'idée de nous soumettre à des privations alimentaires volontaires est devenue plutôt populaire aujourd'hui. Ça suffit de mentionner, par exemple, le detox diet et le régime alimentaire le plus divers. Ce sont des expériences intéressantes, même positives, qui demandent de la discipline, n'est-ce pas? La discipline de nos parts, de notre part. Le carême, comme nous le savons, carême également, nous rappelle constamment l'importance de la prière, les trois piliers du carême, prière, du jeûne et de l'aumône. C'est-à-dire, nous pouvons les expliquer comme l'importance du dialogue avec Dieu, avec nous-mêmes, et avec nos prochains. Alors, la différence entre les régimes alimentaires et le carême est que nos privations volontaires, comme chrétiens, surtout pendant le carême, sont dirigées envers la charité, envers l'amour, la relation avec Dieu, avec les autres. Et en effet, ils doivent nous aider à nous tourner vers le Seigneur dans la prière, à ouvrir nos cœurs pour renforcer les relations humaines, particulièrement avec les personnes qui ont plus besoin de notre attention, ceux qui sont près de nous, ceux qui sont plus loin aussi. La parole de Dieu que nous venons d'écouter ce soir, nous n'avons pas choisi la lecture, ce sont les lectures du jour de cet et jeudi de carême, nous invite à réfléchir sur nos relations avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs. Nous avons écouté le cri presque d'angoisse du prophète Jérémie dans la première lecture. Ce cri qui reflète la méditation du psaume première sur la vraie béatitude. Ce n'est pas avec l'orgueil, mais dans l'humilité, nous dit le prophète
Jérémie et le psaume que nous avons écouté, qu'on arrive à se réaliser comme personne. L'humilité, la simplicité, la discrétion nous aident à nous libérer de notre égoïsme et à respecter la dignité de chaque personne. Aussi à collaborer avec nos prochains dans un monde plus juste. L'Évangile nous a présenté la parabole de l'homme riche et de Lazare, avec deux tableaux antithétiques, n'est-ce pas ? La vie terrestre et celle éternelle. Sera une grave équivocation diviser la vie présente sur la terre de l'au-delà, après la mort. Parce qu'ils sont deux réalités toujours en relation. Vous vous rappelez, j'imagine, on a accusé plusieurs fois les religions, même l'Église catholique, d'avoir commis l'erreur d'insister seulement, plutôt, sur le paradis, dans le sens d'abandonner l'engagement sur terre pour bâtir des structures sociales plus humaines, plus justes, plus solidaires. Mais c'est probablement une équivocation pire de penser exclusivement aux réalités temporelles. En lieu d'une aliénation religieuse, on se retrouvera avec des idéologies matérialistes qui réduisent les personnes et toute la nature à des objets utilisables, surtout par ceux qui ont plus de pouvoir économique, politique, militaire, etc., etc. C'est malheureusement, ça c'est la mentalité des déchets qui nous rendent esclaves de nos désirs égoïstiques et est en train de nous mener vers la destruction de la terre, notre maison commune. Le carême sur ce point-là, je voudrais mentionner aussi, quand on fait cette division entre le paradis et la terre, que nous avons aussi la tentation plusieurs fois de voir toute notre vie compartimentalisée, c'est-à-dire le travail, la famille, les amis, le temps de relax. Je pense que si nous divisons trop, s'il n'y a pas une lienne, une unité entre tous ces aspects de notre vie, nous pouvons avoir aussi le risque de devenir un peu schizophrénique, n'est-ce pas ? Et alors, nous pouvons prendre le temps de carême comme un temps propice pour retrouver notre unité spirituelle, humaine, plus profonde. Le pape François, dans son message pour le carême 2019, présente le jeûne comme antidote contre, je cite, la tentation de tout dévorer,
pour assouvir notre cupidité, dit le pape. Le jeûne est aussi l'antidote pour retrouver dans nos cœurs la capacité de souffrir pour, par amour. Parce que pour aimer et pour aimer vraiment nos frères et sœurs, nous devions faire des sacrifices. Ce n'est pas simplement des jolis mots, mais des actes très concrets. Le pape François nous invite aussi à prier afin de savoir renoncer à l'idolâtrie et à l'autosuffisance de notre moi. C'est toujours moi, moi au centre. Et reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, qu'on a besoin, de sa miséricorde, du pardon que le Seigneur est toujours prêt à nous donner, mais qui demande de nous la conversion, le changement de nos attitudes, de nos actions. La prière et le jeûne nous aident donc à apprendre à changer d'attitude à l'égard des autres et des créatures et de toute la nature. Il nous soutient dans la pratique de l'aumône pour nous libérer de la sottise, je cite le pape autrefois, la sottise de vivre en accumulant toutes choses pour soi dans l'illusion de s'assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Cette illusion représente l'équivocation de l'homme riche de la parabole. Notons que dans la parabole de Jésus, le pauvre tient un nom, Lazare, le riche n'a pas de nom. C'est à présent un peu nous tous, chacun et chacune de nous, surtout quand nous fermons nos cœurs devant le Seigneur, devant nos frères et sœurs. Ce riche s'autocondamne, mais cette autocondamnation n'était pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'a eu aucune miséricorde. Il n'est jamais préoccupé pour le sort de ses prochains. Il était attentif seulement à son style de vie de bon vivant. Il s'y croyait le centre de l'univers. Et surtout, il n'a pas reconnu Lazare qui gisait devant son portail. Lazare qui, nous pouvons dire que c'était l'opportunité que le Seigneur lui avait envoyée pour grandir dans son humanité. S'il avait offert des l'aumône à Lazare, il aurait découvert l'essence de l'amour et de la vraie justice. S'il aurait simplement souvenu de la sagesse de Tobie que nous trouvons dans la Bible, mieux vaut la prière avec la vérité et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'injustice. Mieux vaut faire l'aumône que d'amasser de l'or. C'est l'aumône qui ouvre nos cœurs à la tendresse. À la tendresse de Dieu qui devient aussi notre tendresse. Qui devient notre tendresse envers nos frères et sœurs. Qui devient la possibilité pour établir des relations humaines sincères dans le respect de la dignité de chacun et chacune de nos frères et sœurs. Et alors,
nous pouvons nous demander ce soir. Comment traitons-nous nos frères et sœurs, en commençant pour le membre de nos familles, avec respect, avec cette tendresse pleine de miséricorde, qui cherche de comprendre leurs positions, leurs idées. Et envers nos frères et sœurs plus démunis, quel est le critère que nous suivons pour les aider? Le Seigneur nous enseigne que le critère pour décider ce qui est superflu doit être la nécessité de nos frères et sœurs, la nécessité concrète de nos frères et sœurs. Ce qui est inutile pour certains, peut-être qu'il est vraiment nécessaire pour les autres. Ce que nous avons en superflu, que nous laissons là chez nous sans rien faire, dans nos armoires, sans penser qu'il y a des personnes qui auront besoin de ces choses qui à nous ne servent pas. Alors, ouvrons nos cœurs vers la tendresse de Dieu, vers l'amour de Dieu, et rappelons ce que nous dit le livre de Tobie. L'aumône délivre de la mort et elle purifie de tout péché. L'aumône délivre de la mort, nous pouvons dire de la mort éternelle, elle purifie de tout péché. Demandons, chers frères et sœurs, demandons la lumière de l'Esprit Saint pour continuer notre chemin du carême vers la Pâque, de continuer notre chemin avec des gestes de tendresse en faisant des petites conversions chaque jour dans nos façons de voir les choses, nos façons de penser, nos façons de parler. Demandons au Seigneur de nous aider à être dociles à la lumière de l'Esprit Saint pour grandir dans son amour et dans l'amour avec tous nos frères et sœurs. Poussé par l'Esprit, confiant en Dieu qui écoute nos cris et exauce nos prières, supplions le Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l'amour. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l'amour. Pour l'Église, que le Seigneur, qui l'a préservée et guidée au long des siècles, continue à la guider par ses pasteurs, notre pape François,
et tous les patriarches et évêques, afin que le message de l'Évangile parvienne à tous les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es amour. Pour les ambassadeurs, le corps diplomatique et pour toutes les nations, que le Seigneur leur accorde un surcroît de bénédiction pour accomplir leur tâche si délicate à promouvoir la justice, la liberté et la paix, et qu'il ouvre leur cœur à la souffrance des opprimés et des démunis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l'amour. Pour le Liban et le Proche-Orient, que le Seigneur, dans sa providence, nous accorde paix, sécurité et prospérité à notre patrie et à toute la région. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l'amour. Pour la fête des mères, Seigneur, aujourd'hui pour la fête des mères, nous te disons merci pour toutes nos mamans. Elles sont si proches de toi, car elles sont si proches de la vie. Bénis-les, qu'elles soient heureuses sur la terre et bienheureuses au ciel auprès de ta mère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es là. La Ligue latine du Liban. Que le Seigneur fasse transfigurer ses efforts à accueillir sa grâce toujours présente, qu'il lui donne foi et courage dans son engagement d'entraide et d'union au sein de sa communauté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute tes enfants, car tu es l'amour. Faisons un moment de silence pour présenter personnellement et en silence nos prières, nos demandes personnelles au Seigneur. Christ Sauveur, entends et exauce nos prières, toi qui as réconcilié le monde avec ton Père et qui intercède pour nous maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu, au-delà de tout créé, nous ne pouvons que t'appeler l'inconnaissable. Béni sois-tu pour notre voix, qui sait ton nom qui vient de toi, et
rendre grâce. Toi que nul homme n'a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé, tu Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours, en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur,
Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Deus Saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être en seul corps, en seul esprit, dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque César, notre nonce apostolique Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les gens qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei.
solis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, pour la communion, prière de passer par le passage principal et de rentrer dans le passage latéral. Oh.
Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super me let omnia, eius dulcis presentia. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur ducius, quam Iesus Dei filius. Iesus pes penitentibus, quam pius est petentibus, quam bonus te querentibus, sed quid invenientibus. Nec lingua valet dicere, nec litera exprimere, expertus potest credere, quid sit Iesum diligere. Sis Iesum nostrum gaudium, qui est futurus premium, sit nostra integra dulcis memoria, dans vera cordis gaudia, sed super me let omnia, eius dulcis presentia. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais au nom de la Ligue latine du Liban vous remercier de votre présence et de votre participation à cette célébration eucharistique à l'intention des missions diplomatiques accréditées au Liban. En ces temps de jeûne, de repentir et de pardon, nos voeux et nos prières s'élèvent pour que le Christ règne sur les cœurs et les consciences et qu'il demeure la référence principale dans les prises de décisions et actions des dirigeants et des responsables pour un monde plus tolérant, plus solidaire, plus juste et plus humain. Nous présentons tous nos voeux de prospérité, de stabilité et de paix aux missions diplomatiques et à leurs pays respectifs, afin que tous les efforts déployés pour le bien-être de leurs citoyens soient couronnés de succès, ce qui contribuera au bien-être de l'ensemble des nations. En cette occasion, nous pensons particulièrement aux pays de la région meurtris par la souffrance et aux personnes abandonnées et touchées par tant de drames. Notre Liban se trouve lui aussi au cœur de la tempête. La situation économique et sociale subit les conséquences de la crise régionale et nationale. Le seuil de pauvreté est devenu le quotidien de milliers de foyers qui manquent de besoins les plus élémentaires. Dans ce contexte, la Ligue latine du Liban, malgré les moyens très limités, contribue à travers des soins médicaux,
des aides scolaires et des aides vitales, apporter un petit réconfort à des familles dans le besoin. Notre Ligue espère voir grandir ces gestes de solidarité, d'entraide et d'union pour que l'espérance reste la vraie lumière qui éclaire nos foyers. La communauté latine du Liban, riche en compétences, reste profondément attachée aux valeurs et aux traditions et se tient toujours prête à servir le Liban dans tous les domaines et secteurs publics, malgré parfois un sentiment de mise à l'écart. N'oublions pas d'accompagner dans nos prières le pape François, qui a réservé une attention particulière à notre région par sa visite pastorale et qui nous a soufflé un esprit de fraternité et d'entente entre les peuples qui occupent cette région, par un témoignage hautement chrétien sur la grandeur de l'humilité, et nous a rappelé les vertus du courage et l'éclat de la résurrection. Pour conclure, la Ligue latine du Liban remercie les Pères Capucins, précurseurs de cette tradition, et toutes les personnes qui ont pris part à cette célébration eucharistique. Nos remerciements à notre évêque, Monseigneur César Essayan, auquel nous souhaitons exprimer notre attachement, ainsi qu'à ses vicaires généraux et à tous les prêtres concélébrants. Notre profonde reconnaissance aux nonces apostoliques, Son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri, ainsi qu'à toutes les personnalités ici présentes qui viennent de partager avec nous ces moments de recueillement. Enfin, nos remerciements à la presse et à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Merci, merci beaucoup. Excellences, honorables personnalités, au terme de la célébration eucharistique au nom des Pères Capucins, je tiens à remercier Son Excellence Monseigneur Joseph Spiteri, nonce apostolique au Liban. Monseigneur Ivan Santos, chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique. Monseigneur César Essayan, vicaire apostolique des Latins au Liban, d'avoir célébré la messe des ambassadeurs à Saint-Louis des Capucins. Après la bénédiction solennelle, les célébrants et concélébrants sortent en procession. Vous êtes tous invités à la cour interne du couvent pour un vin d'honneur en passant par la porte latérale de la cathédrale. Amen. Mundo lux est orta, gaudium.